Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler idées de cadeaux de Noël. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire on est que début novembre, pourquoi parler de cadeaux de Noël maintenant alors que c'est genre dans 2 mois. Personnellement je fais partie de ces personnes qui, on va dire à partir de la mi-novembre, tous les cadeaux sont déjà achetés. Et ça tout simplement déjà pour 3 raisons. D'une, parce que j'adore ça, c'est un réel plaisir pour moi, donc trouver des idées c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. De 2, parce que souvent vous payez plus cher en fait quand vous faites vos cadeaux de Noël au mois de décembre, ça a été montré dans plein d'études. Et 3ème chose, parce que ça évite ce putain de raz-de-marée humain dans les magasins quand tout le monde se réveille la dernière semaine avant Noël. Bref, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous donner 5 idées de cadeaux de Noël à offrir, mais je voulais pas vous faire une vidéo idées cadeaux genre en mode la dernière palette qui vient de sortir chez Sephora à offrir, un coffret cadeau de chez Yves Rocher. Enfin, je voulais quand même vous trouver des idées de cadeaux qui étaient un peu plus originales et un peu moins vues. Alors par contre je suis désolée mais ça se peut que j'ai un peu une voix de canard en parlant, mais je commence à m'enrhumer, c'est super difficile de parler pour faire cette vidéo. Et on va commencer sans plus attendre avec la première idée de cadeau de Noël. Alors la première idée que j'ai trouvée, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai trouvé ça sur une pub Instagram. Je fais partie de ces personnes qui sont en général assez saoulées par les pubs Instagram, mais en fait quand j'ai vu passer cette publication je me suis dit waouh, l'idée est quand même génial. Et en fait le premier site dont je vais vous parler c'est The Night Sky, donc le site internet, de toute façon je vous mettrai tous les sites en barre d'infos, c'est thenightsky.com. Et en fait comment expliquer ça, c'est une carte d'étoiles personnalisée. Donc en fait c'est un site internet où vous pouvez créer une image personnalisée d'un ciel étoilé. En gros c'est un site internet, donc vous rentrez une date qui est importante pour vous, donc par exemple la date de votre premier baiser avec votre chérie, la date de naissance de votre premier enfant, la date de votre mariage, enfin peu importe. Donc je sais pas, par exemple vous êtes marié le 22 septembre 2008 à Chartres, et bah vous pouvez rentrer donc la localisation de Chartres, et en fait à partir de ça le site a une base de données. Donc en fait ils se servent du catalogue d'étoiles de l'European Space Agency's Hipparchos Mission. Et en fait en gros c'est une agence qui archive toutes les étoiles, les constellations dans le ciel chaque soir et tout. Et en fait du coup en fonction de la date et de la localisation que vous donnez sur le site, ça va vous ressortir le ciel et les étoiles et les constellations qu'il y avait exactement dans le ciel ce soir là. Du coup je trouve que c'est un cadeau personnalisé juste ultra mignon. Du coup comment ça se passe au niveau de la création? Moi je vais vous montrer la mienne parce que j'en ai offert une à mon chéri. Alors c'est du 50 x 70, donc c'est quand même genre super grand. En fait, donc vous rentrez du coup la date et la localisation, donc ça se retrouvera affiché en bas du cadre. Vous pouvez choisir donc déjà la couleur du fond, donc vous avez il me semble blanc, moi j'ai pris noir, il y a bleu marine et il y a gris bleu marine, je trouvais ça très très mignon aussi. Donc déjà par défaut donc vous avez les étoiles qu'il y avait dans le ciel ce soir là, et vous pouvez choisir comme moi j'ai fait par exemple d'afficher les constellations également qu'il y avait. Vous pouvez choisir d'afficher la lune, moi je l'ai pas fait, et aussi vous pouvez mettre un espèce de quadrillage en arrière-plan, je l'ai pas fait non plus. Et vous pouvez également ajouter un petit mot en bas du cadre personnalisé, voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Au niveau du papier, c'est vraiment du papier de qualité, genre c'est un fini assez premium mat. Au niveau du prix, il me semble que c'était 60 €, et vous pouvez également choisir d'acheter le cadre avec. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que les cadres qui étaient proposés étaient à 40 € et je trouvais ça hyper cher, j'ai pas l'habitude d'acheter des cadres. Je me suis dit bah je vais en prendre un du coup sur Amazon, je le trouverai sûrement moins cher, et au final le cadre m'a quand même coûté 33 € sur Amazon et c'est de la qualité ultra pourrie, donc franchement je pense que ça vaut pas tant le coup que ça de commander ailleurs. Au niveau des frais de port, je me souviens plus très exactement, mais c'est entre 5 et 10 €, sachant que ça vient d'Angleterre il me semble. Moi j'avais pris en frais express, donc j'en ai pour 17-18 €. Et comme je vous l'avais dit, vu qu'à la base c'était une pub Instagram, j'avais vraiment peur que ce soit une arnaque. Moi je commande très rarement les trucs suite à des pubs sur Facebook, Instagram et tout, parce que j'ai plusieurs de mes amis qui se sont fait arnaquer comme ça, et du coup je m'étais dit bah je vais payer par PayPal, au moins comme ça s'il y a un problème bah je suis protégée. Et finalement du coup comme vous pouvez le voir c'est pas du tout une arnaque, j'ai reçu le truc hyper rapidement, vous avez un suivi, je l'ai reçu emballé très proprement, donc voilà c'est un très très bon site. Et franchement toutes les personnes à qui j'ai parlé de l'idée cadeau m'ont dit waouh, c'est genre c'est vraiment génial et c'est beaucoup trop mignon. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir d'un peu plus près à quoi ça ressemble. La deuxième idée cadeau dont je vais vous parler, c'est une idée cadeau, voilà, c'est le genre de petite attention 100% personnalisée, aussi peu onéreuse si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget. C'est le site petitcube.com et je vous mettrai des photos, mais en fait c'est un coffret cadeau 100% personnalisé, donc vous choisissez que ce soit au début le packaging de la boîte. D'ailleurs vous avez des packaging qui sont spéciales pour Noël, ils sont vraiment beaucoup trop mignons. Et en fait ça fait comme un petit cube qui se déplie, à l'intérieur vous pouvez choisir de mettre un petit cadeau. Donc les cadeaux, il y a vraiment plein de trucs différents.
Ça va de la bougie au collier à la boîte à musique. Vous avez des porte-monnaies, vous avez même des petits pots de miel et tout. Qui va essentiellement du coup faire le prix final de votre cube. Bien sûr, c'est le cadeau que vous allez mettre dedans. Et ensuite, en fait, une fois que vous dépliez le cube, vous pouvez choisir donc, du coup, de mettre un message personnalisé à l'intérieur et également de mettre plein de petites photos autour. Il faut savoir que c'est un cadeau, en fait, vous pouvez compter 15 € le petit cube livré. Donc c'est assez peu onéreux au final et je trouve ça original comme idée de cadeau. La troisième idée cadeau, si vous me suivez depuis un petit moment, que ce soit sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, je vous en ai déjà parlé de ce site internet, c'est la marque de bijoux Aglaia & Co. Que j'adore chez cette marque, au-delà de la qualité et du design des bijoux, voilà, c'est pas des bijoux en toc, hein, c'est de l'argent. Ce que j'adore chez cette marque, c'est que c'est vraiment une marque éthique, c'est du Made in France, voilà, c'est des bijoux fabriqués par des artisans. Et à chaque fois en fait que vous achetez un bijou sur cette boutique, il y a 5% qui est reversé à une association de votre choix. Donc je sais pas si ça a changé entre temps, mais moi je sais que les autres fois où j'ai commandé, il y avait le cancer du sein, il y avait la Croix-Rouge et L214, donc l'association qui protège tout ce qui est les droits des animaux, etc. Je trouve ça génial parce que ça vous permet d'acheter un cadeau pour quelqu'un, mais en même temps de faire un geste pour une association, donc voilà, soit une association de votre choix, ou même par exemple si vous savez, je sais pas, que la personne elle est à fond sur le droit des animaux, bah vous pourrez lui dire en lui offrant, bah voilà, en même temps je t'ai acheté ton cadeau, ça a fait un don à L214. C'est de très jolis bijoux, très délicats, agrémentés de pierres, vraiment, c'est vraiment des bijoux trop trop mignons. Et donc voilà pour la bijouterie Aglaia & Co. L'avant-dernière idée cadeau dont je vais vous parler, c'est la marque Chili's Bottle. Donc en fait, en gros c'est des thermos, ça s'inscrit vraiment dans une démarche éco-responsable, éco-friendly. Voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage par exemple qui veut arrêter, qui va être un peu dans une démarche zéro déchet, arrêter de consommer des bouteilles en plastique et tout, en fait c'est des espèces de bouteilles thermos au design vraiment à tomber. Vous avez un choix de design mais de malade, genre ça va aussi bien de l'imprimé tropical, aux fleurs, au rose gold, en passant par le noir mat, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour hommes, femmes, etc. Et du coup, c'est des bouteilles, il me semble qu'elles sont en aluminium, elles sont sans BPA. Et c'est des bouteilles en fait qui gardent les boissons froides jusqu'à 24 heures. Et tout ce qui est chaud jusqu'à 12 heures. C'est 100% étanche, le couvercle est totalement hermétique, donc vous avez zéro risque de fuite. Au niveau de la contenance, vous pouvez choisir, donc ça va de 260 ml à 1,8 L, donc ce qui est génial par exemple si c'est vraiment des bouteilles que vous voulez garder au frigo pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Vous pouvez également les personnaliser au point de marquer un petit mot ou un nom dessus. Et du coup voilà, je trouve que c'est un cadeau un peu original et qui, voilà, si vous avez une personne dans votre entourage qui est du genre à faire attention à l'environnement, etc., bah, je trouve que c'est une bonne idée. Vous pouvez soit les trouver sur le site vraiment de la marque mais l'anglophone, donc pour les personnes par exemple qui parlent pas trop anglais, c'est pas forcément facile de passer commande. Soit si vous voulez les recevoir plus rapidement, elles sont également dispo sur Amazon et en Prime en plus. Et la différence de prix est pas énorme, je crois que sur le site même de la marque elles sont à 30 €, sur Amazon elles sont genre à 33 €, donc franchement autant les commander sur Amazon. Et donc voilà pour les Chili's Bottle. Et la dernière idée cadeau que je vais vous donner, alors je sais qu'il y en a qui vont trouver ça bizarre de proposer des calendriers de l'Avent en guise de cadeau de Noël. Moi ça m'est déjà arrivé d'en offrir, par exemple j'avais offert à mon papa un calendrier de l'Avent de bière pour Noël et ça n'a pas été plus dérangeant que ça, ou alors à la rigueur vous l'offrez début décembre, j'en sais rien, mais parce que je trouvais en fait l'idée super géniale. J'ai découvert pareil sur une publication Instagram la marque My Muesli. Donc là du coup on va s'adresser soit aux gens qui aiment le muesli de base, soit un peu sportifs en général qui en mangent pas mal, genre mon copain typiquement, d'ailleurs je lui en ai pris un. Et en fait My Muesli c'est un site qui vous propose de créer votre muesli sur mesure. C'est tous des ingrédients bio et en fait vous pouvez faire le mix de votre choix. Il y a 80 ingrédients différents et en fait vous pouvez en gros créer votre muesli parfait. Moi j'ai pas passé commande pour ça, en fait j'ai vraiment passé commande pour le calendrier de l'Avent. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez que du coup ils font des muesli personnalisables. Il y a également du porridge, il y a du thé, il y a des accessoires sur leur site et il y a des barres céréales. Ce que je trouve hyper sympa aussi sur leur site, moi j'ai vu, ça m'a marqué, c'est qu'ils font des éditions vraiment en fonction des saisons. Là en ce moment vous avez des porridge spécial automne, vous avez des éditions de Noël genre gâteau à la vanille, des trucs, enfin vraiment les goûts ils ont l'air géniaux. Moi j'en mange pas mais limite ça me donnera envie d'en manger. Et du coup au niveau des calendriers de l'Avent, vous en avez 4 différents. Vous avez celui qui est spécial porridge, vous avez le My Muesli to go, donc c'est en fait des mix
de muesli qui sont dans des formats individuels à emporter. Vous avez le calendrier spécial barre de muesli et vous avez le deluxe, donc vraiment il y a de tout dedans, il y a du thé, il y a du muesli, il y a du porridge, il y a également des accessoires. Moi j'ai pris à mon chéri celui My Muesli To Go parce que le Deluxe très sincèrement j'étais pas sûre qu'il prendrait tout ce qu'il y avait dedans, genre le thé et tout. Et surtout c'est le Deluxe forcément c'est le plus cher. Le My Muesli To Go je trouve que le prix reste raisonnable parce que c'est 50€. Et du coup au total vous avez 24 muesli et 14 variétés différentes. Et vraiment les goûts, je vous dis même moi ça me donne envie d'en manger alors que pourtant j'aime pas ce truc là. Et j'ai vu aussi un accessoire sur leur site qui m'a particulièrement intéressée et que du coup j'ai également pris pour William. C'est un espèce de... Putain j'arrive pas à le retrouver. En fait c'est un bol pour muesli à emporter. Il y a marqué avec notre bol pour muesli à emporter, il vous est maintenant possible de transporter votre muesli favori avec du lait, du yaourt ou des fruits frais dans deux compartiments séparés. Vous pourrez ensuite les mélanger juste avant de déguster. Chaque compartiment dispose d'un couvercle, il ne fuit pas et se vise très simplement en un mouvement rotatif. De plus vous pouvez mettre le compartiment du dessous dans votre micro-ondes, ce qui vous permet également de préparer votre porridge directement dans le bol. Et du coup en fait c'est juste super pratique. C'est super pratique si vous voulez transporter à la fois du muesli et du lait en même temps. Et voilà, moi je trouve ça hyper sympa, genre à porter au bureau, pendant des voyages et tout. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si pareil vous avez d'autres petites idées de cadeaux comme ça, assez originales, qui sortent un peu du lot. Et je vous fais plein de bisous, jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.